suite 75-9. 75-9. D'accord. Et si, j'ai une panne, si on a une panne, genre non-stop, j'effectue un arrêt-décollage, panne après décollage, je retourne au piste à l'arrêt, et panne majeure, j'atterris devant 72. Donc je remets le niveau piste 29 gauche autorisé décollage. Ouais, on est parti alors. Okay. Tu roules derrière le... 29 gauche autorisé décollage. Ouais. Et du coup, on va se faire avoir par l'autre. Yankee Bravo sur le parking tour pour le parking 39. Pour cette T39, Yankee Bravo. Pour cette T39, Yankee Bravo. Zou Alpha, correction, autorisé atterrissage, piste 29 droite, vent calme. Autorisé atterrissage, 29 droite, Zou Alpha. Kilo Lima, bonjour. Oui, tu t'arrêtes au point d'arrêt. Tant que t'as pas l'autorisation, tu t'arrêtes toujours au point d'arrêt. Ça serait pour m'autoriser à faire des essais de roulage jusqu'à la tour. Ok. Donc une hélicoptère qui va passer gauche puis rouler. Fox Kilo Lima, je laisse passer l'hélicoptère et je roule après. Fox Romeo Yankee, point d'arrêt 29 gauche, prêt pour décollage. Fox Romeo Yankee, alignez-vous piste 29 gauche, autorisé décollage, vent calme. Nous alignons pour décollage, piste 29 gauche, Fox Romeo Yankee. Ok, c'est parti, elle part pour la droite. Il doit donner une nouvelle piste. Alors, ralenti. Voilà, tu t'alignes gentiment. Là tu vois, on a quelques corbeaux, on va leur faire un peu peur, ouais. Ça. Non, merde, on pas. Ah, vas-y, tu peux avancer un petit peu comme aussi. T'alignes pas trop sur la. Voilà. Entre les deux, histoire de continuer encore un peu. Encore un peu. Je te le reprends deux secondes. Ouais. Le but c'est pas de se mettre dans les herbes hautes à côté là. Non, c'est à gauche du trou. Hein, voilà, à gauche du trou. C'est pas dans les herbes hautes. Voilà. Le vent il vient de gauche. Hein. Alors le vent ouais, il vient légèrement arrière mais enfin ça veut rien dire. Là on a zéro vent donc ça part. D'accord. C'est bon. On recale dernière fois. 294. Zit chez vous. Tac. Et ah, allez viens là. Tac. Et maintenant on est parti. Okay. Quand tu veux. C'est parti. Alors vérification. Les tours. Ça on les avant. Fox Zoom. Vers. Et Charlie jusqu'à Charlie. Ensuite on tient bien son axe. Tiens bien ton axe. Tiens-tu. Voilà. Tape pas plus, pas plus. Tiens bien ton axe. Ne laisse pas se balancer, hein, c'est une tenue. Rotation. Et 55 mètres en rotation, c'est parti. Bam. Et là tu le laisses accélérer gentiment, d'accord? D'accord. Allez, laisse accélérer. 10. Pousse encore un peu, on n'est pas tout à fait à 70. Ouais, ok. Voilà. Donc c'est un qui bravo. Là, t'avais pas mis toute la puissance. Ah ouais. Toujours la main sur les gaz au décollage, c'est extrêmement important. Bon là ça va, tu vois le stadium là, il gère bien. Travers tour. Voilà, les 10 degrés, pas plus. Pas plus. Attention au DR400 qui fait des essais de roulage au pied de la tour. Ok. Visuel sur le commande. Alors, la main pousse les gaz toujours contre. Allez, tiens, essaye d'avoir 79 là, tu montes trop rapide. Extrait numéro 1, rappelez final 29 droite. Numéro 1. On revient légèrement vers la main, on va passer la ville. On va faire la sécurité. Alors c'est 29 gauche et roule à droite sur DR. Et tu rentres pas les volets tant que t'as pas 79. Je traverse la route. Voilà. Les voies du pied à droite. Option. Laisse pas de passer trop monté. Faites attention au P2002 qui traverse la 29 gauche et traverser les deux pistes au niveau plateforme 29. Je t'ai mis les. Allez, la main sur les gaz. Tu vois, regarde. Lâche les gaz, deux secondes. Tu vas voir un truc marrant. Regarde la manette. Ah oui, elle vibre et elle revient. Et elle revient, oui. D'accord. C'est pour ça qu'il faut. La main sur les gaz. Non, c'est clair que tu vas mettre du temps à avoir la bonne vitesse. Alors... On va espérer que ce soit un peu mieux là-bas. Le plafond il va être un petit peu léger je pense. Ouais. Ah, il y a une trouée là-bas, on va pouvoir faire quelque chose. Là, okay. Ma vitesse c'est 60... À partir de maintenant c'est 75, voilà ouais. Exactement. Alors, tu vois les étangs là-bas? Ouais. L'étang, le... ouais, c'est un étang. À partir du moment où tu as passé le travers de l'étang, ouais. Tu vas pouvoir monter au-dessus de 2500 pieds, d'accord? Donc maintenant, ce sera toi qui gérera. Le but, c'est très autorisé atterrissage piste 20. On veut essayer de monter suffisamment haut, d'accord? Pour ça, je te laisse gérer. Tu les sorties, tu les connais maintenant. Là, on devrait aller où normalement? Bah là, on va aller. Droit? Non, on va pas tout droit. Je rappelle que les sorties, on reste sur la. Ah oui, on reste sur la survole pas les villes. On tient à droite. Vas-y, par à droite. Le but c'est de rester sur la forêt, d'accord? On
sortie, toujours, on essaye de rester au maximum dans la zone, elle reste encore. Le but, c'est de pas survoler les maisons. Et là, tu vois, on a des maisons juste devant. Ensuite, on va monter à quelle altitude, à ton avis? 2500 pieds. 2400, ça sera bien. Ouais, on va garder une petite marge. Hein. Voilà, exactement. Ouais, Fred, qui était tout à l'heure? Oh, ça va l'air trop mal. Ouais. Il y a quelques grammes, on arrive à voir un peu au travers, et si, si vraiment on commence à rentrer dedans, bah on fera demi-tour en rentrant. Hein. Ouais. 79. Mario. Fox 3000, je crois. Alors, tu vois un peu les nuages au-dessus? Ouais. Ok. Donc ce qu'on veut pas, c'est rentrer dedans. D'accord. Donc il va falloir s'arrêter un petit peu avant. On est à 2000 pieds. Ouais. Dans ces cas-là, c'est pour voir ça, tu regardes un petit peu sur le côté. D'accord. Les nuages, les petites barbules qui commencent à arriver. Devant. 2100. Et tu te dis, bon bah voilà, j'essaye d'estimer. Et c'est sympathique de commencer à voir ça un petit peu maintenant, parce que c'est un des trucs les plus difficiles à estimer en aéronautique. Là, moi je m'arrêterai autour de 2300, ce sera pas mal. Après, on va commencer à monter un petit peu et on voit devant que ça devient un petit peu plus difficile. Alors, donc mise en palier. Peut-être un peu moins de gaz. Alors, comment on gère ça? D'abord, on laisse accélérer. Ouais. Tout en poussant, maintenant. 85 nœuds, bam, là tu reviens vers 2500. D'accord. 2500, pas plus. Pas moins, je veux dire. Et là, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et on a 2400 pieds de plafond tout juste. Stabilisé. Voilà. Alors là, tu vois, ton assiette, elle est légèrement montée. Donc... Ouais. Alors, on corrige ça. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est mieux déjà. Allez, tiens-le, parce que j'ai une petite action sur le manche. Et plus sur ce qui va être l'espace pour se remonter. Alors, un DVS à 60 nœuds, ça va nous faire combien? Comment? 1,2 DVS à 60 nœuds, ça va nous faire 70-72. Ok, bah ce qu'on va faire, une fois qu'on sera arrivé en secteur là au-dessus des... Ouais. Au-dessus des chambres, on réduira l'avion à 60 mètres. Oui, et on vente arrière pour un complet retour point d'arrêt. Alors j'ai juste dit... Alors j'ai essayé de faire ça le plus proprement possible. Bon, on prend de risque. Donc tu vois, ça c'est un des intérêts du 45 degrés, c'est qu'on ne survole pas les maisons comme ça. Ok. Et là, tu vois, la chair de sang, il est juste devant. Ok, je te rends les commandes. Donc, on a toujours la chair de sang. On vente arrière pour un complet retour point d'arrêt. Est-ce qu'on a extrait numéro 1, rappelez final 29 droite. Numéro 1, rappel final 29 droite. Alors, on remonte un petit peu, on va essayer de reprendre l'altitude. Et maintenant, on a la vitesse. Alors, voilà, la vitesse. On est à 2400 tours, tac. Et maintenant, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu tiens bien 82. Et on va mettre un cran. Et on met un cran, voilà. Tac. Ouais, attention, voilà, tu sens qu'on compense. Voilà. Et là, voilà, bah, tu le compenses. Je te rajoute la pompe en plus. Voilà. Ok. Alors, on va tourner un petit peu parce qu'on va être quand même perpendiculaire à la piste. Ouais. Tu vois le gros carré là en face? Ouais. Comme d'hab. On voit pas très bien là. C'est bon, bah, tu essayes de garder bah, l'axe de piste qui reste au même endroit sur ton aile. D'accord? Ok, bah là, tu vois, c'est stable. Plus ou moins stable. Ouais. Bah voilà, il y aura le plus. Ok, je reprends les commandes. Ok. Fox Romeo X-ray, autorisé atterrissage piste 29 droite, vent calme. Autorisé atterrissage piste 29 droite. À partir de là, on a donc tout qui est installé, cran volé, etc. Okay. Je fais un virage. Alors, suis-moi aux commandes. D'accord? Ouais, d'accord. Tu me suis aux commandes sans bloquer les commandes, évidemment. Ok. Faut que je puisse faire tout ce que j'ai. Ouais, ok. Je réduis. Ouais. Non, je m'assure qu'elle était bien, mais c'est tout. Ok. Et tu n'en touches pas. Et là, j'essaye de garder 80 nœuds
de rester. D'accord. En vente arrière. D'accord. En vente arrière. Pour ça, tu vois, je joue un peu avec la manette des gaz. Garde la main sur la manette des gaz. Ouais. Essaye de juste sentir ce que je fais là. D'accord. Alors, je descends. Et je m'annonce. Foxtrot Yankee, mi-basse pour la 29. Foxtrot Yankee, autorisé atterrissage piste 29 gauche, vent calme. Autorisé atterrissage 29 gauche, Foxtrot Yankee. Oscar, on a été autorisé pour la 29. Donc pour la radio, Oscar, rappelez oublier, c'est fini. C'est Foxtrot Oscar, voilà. Je vais m'en mettre un dans l'écran juste avant. Sécurité, on y va. Alors, là je vais l'overshooter si je ne tente pas trop. Oh, on avait un petit peu de vent, bam. Oh, c'était pas la prise d'axe la plus propre que j'ai jamais fait de ma vie. Ouais, j'ai bien compris. Foxtrot Oscar, roulé Charlie pour la piste 29, rappelez prêt. En route Charlie, point d'arrêt, piste 29, Fox Romeo Ukraine. Là, freinage léger, histoire de ne pas me faire déraper. Et voilà. Fox Romeo Yankee, roulez Delta pour le parc. Roulons Delta pour le parc, Fox Romeo Yankee. Tu vois, j'ai fait une approche un peu rapide. Ouais.